Salut tout le monde, c'est Foudrage. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre petit let's play sur Slime Rancher. Alors juste avant de commencer je voudrais dire quelques mots. Donc à partir de ce lundi, donc vous aurez sûrement cette vidéo mardi. Donc à partir de cette vidéo en gros, il y aura moins d'épisodes, moins de vidéos sur la chaîne. Car je commence le déménagement. Et donc, comme je pense que vous le savez, le déménagement peut prendre pas mal de temps. Donc il y aura beaucoup moins de vidéos de vidéos sur la chaîne. Donc j'en suis désolé, mais je vais essayer quand même d'avoir internet assez rapidement pour reprendre les vidéos et tout ça. Mais voilà, je voulais vous prévenir qu'il y aura sûrement très peu de vidéos dans la semaine qui va pouvoir sortir. Voilà, donc... nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir peut-être voir pour les nourrir. On va pouvoir les nourrir. 9, 8, 14. Ils ont pas beaucoup de... Est-ce que je les nourris ou pas? Pour l'instant, on va attendre. On va plus aller de ce côté et voir, parce que je me rappelle plus du tout qu'est-ce que j'ai mis comme... Alors ici j'ai mis quoi? J'ai mis toi. D'accord, je t'ai mis toi qui mange de la viande. Ok. Ouais, donc là j'étais en fait en train de chercher un nouveau slime qui me permettrait de les nourrir si je... Enfin de les faire fusionner. Donc ça faudrait que je vois assez rapidement. Oui, encore une petite chose que je voudrais vous dire aussi. N'hésitez pas à aller sur Facebook pour aller sur le sur la page Facebook. Je mettrai de temps en temps des petits messages pour vous prévenir en fait qu'il y aura peut-être des épisodes qui vont sortir ou des choses du genre. Comme ça vous vous louperez pas des vidéos qui pourraient sortir. Voilà. Donc. Alors, je me rappelle plus comment qu'on avait fait pour... comment je faisais pour ouvrir le portail. Alors, je crois qu'il me faut un peu de ça. Il me faut peut-être un plot comme ça. Ou un plot comme ça, je sais plus du tout. Il me faudrait un plot comme ça. Voilà. Et on va déjà partir avec ça pour voir si... si je peux ouvrir le portail du temple. Car le temple va être intéressant d'y aller parce que il y a quand même déjà d'autres slimes qui pourraient être intéressants de récupérer. Et il y a d'autres choses à découvrir là-bas. Alors il me faut que j'attends que j'ai le boost qui arrive. Voilà. Ok. Donc oui, comme j'avais dit, cette vidéo sortira sûrement mardi. Et lundi, il y aura sûrement pas de vidéo qui va sortir. Et je mettrai sûrement un petit message sur Facebook pour prévenir dans la soirée, je pense. Quand exactement, je sais pas à quelle heure, parce que je vais être assez débordé, mais il y aura sûrement un petit message sur Facebook pour vous prévenir qu'il n'y aura pas d'épisode ce lundi. Donc voilà. Je vais voir si je peux faire. Alors j'espère que j'ai plus ou moins tous les slimes, tous les plots pardon, que j'aurais besoin pour ouvrir ce portail. Alors ah, une plotte mielleuse. Je crois qu'il me fallait. Ouais. Alors, je sais pas, toi c'est quoi? Non, toi c'est pas ça. Tu ressembles à quoi? Ça me paraît bizarre. C'est... Ah, c'est peut-être une plotte pour les plotes... comment dire? Alors, je crois que toi c'est ça. Hop là. Il me faudrait peut-être une plotte pour les slimes
les slimes, comment dire. Ok, c'est pas toi. Voilà. Ça doit être sûrement une plot de slime qui sort que la nuit, je pense. J'en avais un autre ici. Toi, c'est quoi? C'est un chat. Ah, peut-être que... Ouais, toi, c'est bon. Donc là, une plot mielleuse qu'il me faudrait. Ok. Ça, je peux trouver. Et... une boom, ok. La boom, ça devrait se trouver assez facilement. Donc, une plot de boom. Toi là-bas, je me rappelle plus du tout ce que c'est. Mielleuse, ouais. Et ça, c'est donc. Ouais, ok. Je vois à peu près lesquels qu'il me faudrait. Donc, on va aller de ce côté. On va passer par là et on va essayer de trouver une plot. Là, par exemple. Je te vire et je te récupère toi. Voilà. Ouais. On va. Non, toi t'es pas. Il est quelle heure? Ouais, il est 7h10. Il y aura sûrement pas de plot qui va sortir. Enfin, de slime de nuit qui va sortir. Donc on va pas pouvoir le récupérer. Faudrait peut-être un peu de nourriture. Les mielleuses. Ouais, non, les mielleuses, ils mangent des fruits. Donc ça tombe bien. Oh merde. Voilà. Tac. Et normalement, les mielleuses, il y en a quelque part là-bas. Donc on va essayer de voir pour leur, pour les nourrir. Alors. Ça serait bien d'en trouver. Des mielleuses, ouais. Alors, des chasseurs, on te prend parce qu'on en a que un, donc voilà, c'est toujours bien d'en avoir plusieurs. Et normalement, les mielleuses sont ici. Moi, j'en ai un autre là-bas, mais j'en ai plus d'autres. On va essayer d'en retrouver. Ça serait cool d'en récupérer quand même un petit peu plus des mielleuses. Ça c'est une zone où ils sont agressifs, voilà. Ici, ok. Voilà, je te balance toi. Ok, je pense que j'ai le compte pour ouvrir le portail. Enfin, il me manquera juste une plot. Mais ça, faudra sûrement que j'attends. Faudra sûrement que j'attends des slimes qui sortent que le soir. C'est par où? Je crois que c'est par là. Ouais, je crois que c'est par là. Ou alors faudrait que je trouve une grotte où, où ils sont. Mais bon, normalement. En plein jour, comme ça, il préfère rester caché. Alors, mielleuse, hop. Super. Boum, il y en a un là. Tac, et il me reste plus que celui-ci. Et celui-ci, ouais, je crois que c'est une plot. Le slime qui sort que la nuit. Donc on va essayer de le... On va essayer de l'avoir. Et je pense savoir où il y en a. Donc on va réutiliser de nouveau le portail. Voilà, on va réutiliser le portail. Je vais peut-être passer après pour leur donner de la nourriture. On va juste mettre celui-ci en place. Voilà. Complètement illuse. Je vais te le mettre là-dedans. Je t'ai pas mis de nourriture. C'est quoi déjà? Des fruits.
Non, les frais, on va les garder parce que je voudrais nourrir la grosse slime que j'ai qui est cachée en fait de mielleuse. Je voudrais essayer de la nourrir. Ça serait cool. Super, j'ai des trucs qui se débloquent, c'est cool. On va se faire un petit stock de fruits. Alors je sais pas si j'en ai stocké là-bas. Donc on récupère. Ouais c'est bon. Donc eux pour l'instant je vais pas les nourrir de toute façon. Ils sont pas beaucoup donc c'est pas la peine. Eux par contre on va pouvoir les nourrir donc les boum. Tac. Voilà. Et je vais juste récupérer des carottes et leur donner. Voilà. Il y a un paquet de carottes. Voilà. Comme ça avec tous les carottes que j'ai là ça va les garder un moment tranquille. Ils auront un sacré paquet de nourriture. Hop. Tac. Ok. Voilà. C'est bon. J'avais fait le tour là. Module de cœur, ouais. Ça, ouais. On va regarder ça après. On va juste refaire un tour pour les fruits pour voir à peu près qu'est-ce qui reste. Si on peut récupérer d'autres fruits, ça serait cool de faire un stock de fruits et de pouvoir essayer de. Non, pas ça. Voilà. Toi. Voilà. Bon, après, dans tous les cas, je pense que je ferai quand même peut-être un petit peu plus de fruits encore. Pour être sûr. Mais je sais pas encore. Je pourrais. Oh, bah non. Attends, vous avez rien à. Vous avez pas de plot. Alors c'est parti. Ouais je pourrais encore toujours garder pour des fruits vu que j'ai de la place. Tac. Des fruits. Ils étaient pourris, je m'en. Vu la couleur, je me suis dit ça. Là-bas. Tac. Voilà. Avec les 40 plus les 14 de fruits, je devrais pouvoir nourrir la grosse slime de miel. Alors, normalement, j'ai laissé ici. Ah, dommage. J'ai cru que j'avais laissé ici des slimes de nuit. Je les ai peut-être récupérés. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du tout si je les avais pris ou quoi. C'est pas grave. De ce côté je reviens. On va revenir peut-être. Non. Non. Là je perds un temps fou. J'aurais pas dû faire comme ça. Ah si je peux. Je peux passer par là. Pour aller aller au temple. Non, je peux même pas aller au temple. J'ai pas encore le bon truc. Il est à peine 15h. Il est à peine 15h. Je pourrais pas. Ouais. Je pourrais pas. Faut que j'attende la nuit de toute façon pour avoir une plot qui me permettrait, je crois, d'ouvrir le portail. Donc, dans tous les cas. Je suis coincé, donc faut attendre. Hop. Alors. Donc. Le slime mielleuse se trouve là-bas. On va essayer de le nourrir. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai,
Je devrais pouvoir l'avoir. Et on va récupérer tous les plis, les petites plottes, les petites slimes. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une chasseuse dans les coins? Ah si. On va te récupérer aussi. Comme ça, on en a plusieurs, c'est très bien aussi. Sinon, les chasseuses et tout ça, je peux les faire fusionner avec des... On va faire les enlever parce que si je nourris la plotte, si je nourris la slime, il risquerait de m'embêter, mais je crois que c'est bon. Alors, c'est parti. On va te donner. Allez, toi en premier. Voilà. D'ailleurs, les carottes. Voilà, on va tous les récupérer. Voilà. Toujours bien d'en avoir plusieurs. Et comme je pensais, ils viennent me déranger. Toi, je te récupère. Voilà. Alors, là. Alors, je sais pas si j'en ai déjà des mangues. Augmente, mais on va le récupérer. Ok, non, je l'avais pas. Ok. Oh, toi. Non, 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 non. Toi, il faut te nourrir. Oh, super. Je vais pouvoir peut-être. Je vais peut-être pouvoir ouvrir le portail. Bon, après là il est 18h, ça va commencer à faire nuit, mais je pense que j'aurais pas eu besoin d'attendre très longtemps. Normalement, c'est des plots comme ça, des plots phosphore machin. Donc on va bien voir si c'est ça. Je l'espère, comme ça on perd pas de temps et on ouvre le portail là. Alors, là. Allez, c'est parti. Yes. Voilà. J'aime beaucoup le bruit. Tada. Alors, on va regarder le portail. Normalement, il va s'ouvrir. D'ailleurs, celui-ci, j'ai plus besoin. On va pouvoir récupérer d'autres slimes aussi. Donc, on va en récupérer un paquet. Allez, ouvre-toi. Un temps fou à s'ouvrir quand même. À moins que c'est moi qui dois s'approcher, je sais pas. Je me rappelle. Voilà. Tada! Bah, en fait, c'était moi qui devait s'approcher. Donc voilà le temple. Tintin. Voilà. Alors, donc là, ici, il y a plusieurs petites choses. Donc pour l'instant il n'y a que ça. Normalement on va pas en voir trop. On va pas en voir des nouveaux pour l'instant, mais on active les portes. Tac. Alors c'est le petit levier maintenant à activer, des trucs du genre, pour passer de l'autre côté. Et on devrait pas tarder à en trouver des nouveaux là. Ah, petit message, hop. Faites une petite pause pour lire ce qui est écrit. Tac. Et la nouvelle slime, c'est celui-là. Tac. On te récupère ça. Et on va juste voir qu'est-ce qu'il mange. Tac. Slime. Car je me rappelle plus du tout. Des fruits. Ah. Des fruits. Le problème, c'est que là, il me faudrait des slimes qui mangent des légumes.
Mais je crois que je serai obligé de mettre des fruits. Donc je vais faire une partie de fruits, une partie de légumes. Tac. Ok, donc les 5 quantiques, on va essayer d'en récupérer un max. Un maximum. Tac, et on va essayer de remonter surtout. Ça va être surtout ça, c'est de remonter. Alors. Je sais plus trop comment on remonte en fait. Encore un autre truc à lire, n'hésitez pas. Hein. Faites une petite pause pour lire le texte si vous voulez le lire. Ah oui, ça c'est des choses. Je crois que si on lance un fruit ou quelque chose dedans, normalement, y a un arbre qui apparaît. Mais je l'ai jamais fait parce que je n'avais... disons que j'avais pas besoin... Voilà. Un slime quantique, c'est assez dangereux parce que ils peuvent se TP. Donc ça veut dire que si jamais... alors, vous, je vous récupère. Bon, je peux pas. Mais je vais vous récupérer. Ouais, je vais vous récupérer. Dès que j'aurai l'occasion d'en récupérer. Donc ouais, eux, ils peuvent se TP. Et je crois qu'on aura besoin d'aller là-bas. On va devoir aller de l'autre côté. Mais... mince. Voilà. 10. Ouais, bon, j'en ai assez. On va devoir aller de l'autre côté et je crois que... Il faut que je vole. Faudrait que j'arrive... Faudrait que je vois comment je peux enlever cette porte. Mais bon, après, avec un jetpack, ça devrait être bon. J'ai peut-être pas le bon jetpack non plus. Il est peut-être pas assez puissant pour aller jusqu'à là-bas. Ou alors... Je sais pas, on va voir. Ok, c'était pas la bonne porte en fait. C'était pas du tout que je voulais aller. C'était pas ici que je voulais aller. J'ai dû me gourer de chemin. Bon, dans tous les cas, je dois quand même aller de ce côté. Voilà, c'est par ici que je dois aller en fait. Voilà, j'ai encore un autre slime là-bas. Un slime boom. Qui permettra, je crois, de récupérer encore une clé. Et les clés, il m'en faudra, je crois, un petit paquet quand même là des clés. Pour pouvoir. Pour pouvoir y aller. Alors, je dois aller de l'autre côté. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout si. Mon jetpack est... Si, il est assez costaud. Maintenant, il me faut le jetpack pour remonter au-dessus du mur. Et pour ça, je sais pas si je vais pouvoir monter plus vachement haut. Si, c'est bon. Ok, voilà. Et là, il faudrait que je trouve... la porte qui me permettrait de l'ouvrir. Mais je crois que la porte là... elle sera toujours fermée. Alors je voulais aller ici parce que ici il y a un portail en fait qui me permettrait de rentrer à la maison, voilà. Mais je vais vite fait vous montrer ce que je cherche aussi. Vu qu'on a une clé en rab, on va pouvoir l'utiliser ici. Voilà. On va pouvoir débloquer cette zone là. Et en fait cette zone c'est. Voilà, c'est tout ça. Et il n'y a rien de spécial à part ces petites choses. Et ça, il me faut donc les slimes quantiques, les plots slimes quantiques. Et il faudra que je mette tous les plots là-dedans. Et cela me permettra d'utiliser en fait un portail. Et ce portail, je pourrais l'utiliser pour aller dans le désert. Et là, ça va être un petit peu plus sympa aussi. Voilà. Petite pause si vous voulez le lire. Tac, voilà.
Donc pour l'instant, on va pas pouvoir faire grand chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt retourner. On va plutôt retourner chez nous. Mettre des choses à pousser, des conneries du genre, on va voir. Tac. Parce que je pense que côté plot, ils en ont fait pas mal. Je vais pouvoir donc les vendre. Les slams, les mielleuses, eux, je crois qu'ils sont. Alors, eux, c'est des fruits, donc on va pouvoir les faire fusionner avec des chasseuses. Alors, est-ce que j'avais. Non, ils en ont pas. C'est pas grave, on va devoir leur donner un petit poulet. J'ai mis quoi là? Les mielleuses, ok. On va leur donner un petit poulet. Donc il faut que je fasse tout le chemin. Leur donner un petit poulet, revenir. Bon, après, j'ai mis beaucoup de mielleuses, mais on va peut-être en enlever. J'ai peut-être exagéré et j'ai pris un petit peu trop de mielleuses là. Mais on va les enlever. Et en fait, je vais faire fusionner les mielleuses avec les chasseuses. Comme ça, je vais pouvoir leur donner que des légumes. Ça sera très bien. Tu m'as donné qu'un plot. Tu veux pas manger le poulet? Yes. Voilà. Maintenant les chasseuses, on va les enlever. On va leur donner à eux. Par contre, eux, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, donc on va les enlever. On va en garder. J'ai quoi, celui-là? Voilà. On va les enlever et en garder peut-être 7. Alors, 2, 2, 4, 6, ok, 6, 7, 8. On va déjà avec 8 pour voir si ça marche. Tac. Voilà. Comme ça, ils vont pouvoir manger des fruits et des légumes. Donc, tout de suite, on va leur donner un maximum de nourriture. Je me rappelle pas si j'ai stocké de la nourriture là-bas. Faudra que je regarde si j'ai pas stocké plus de nourriture. Voilà. Tac. Ouais, y'a rien du tout. Ok. Non, c'est là. Voilà, et au fur et à mesure, ils vont se nourrir. Et ainsi de suite, ils vont devoir... Voilà, mais il faudrait que... Il faut que je voie pour mettre de la musique, pour les calmer un petit peu, parce que... Ils vont s'énerver sinon. Voilà. Les autres plots... les autres slimes vont manger, et ainsi de suite, ils vont grandir. Donc... Ça c'est bon. Je pourrais mettre les slimes quantiques. Je pourrais les mettre ici, mais j'hésite encore parce que il faudrait que je fasse quelque chose. En fait, les slimes quantiques, si je me trompe pas, on va vite faire regarder. Slime quantique. Slime. On va vite faire regarder. Je crois qu'ils aiment les fruits. Ah non, citron de phase. Ok. Je croyais que eux, ils aimaient les mangues. Mais non, mais c'est des citrons de phase qu'ils aiment. Il me faudrait en fait un citron de phase. Comme ça, si je leur nourris que des citrons de phase, ils seront contents et puis ils vont pas s'enfuir. Je vais te laisser pour l'instant.
tirer. Et on va vendre un petit peu et acheter 2-3 petites choses. Il faudrait que je m'achète de la musique pour les calmer. Ça, ça serait très bien. J'ai plus de place. La mangue là, on va la stocker. Voilà. Il faudrait que je débloque le laboratoire. Donc il me faudrait à peu près 10 000. Ça va me prendre pas mal de temps, je pense, pour les avoir. Mais quand je les aurai, ça va être déjà plus pratique. Je te récupère des boules. Voilà, parce que quand j'aurai le laboratoire, je pourrai planter d'autres choses là-bas en légumes, donc ça pourrait être cool. Alors, je pense que tu veux des poulets, je devrais pouvoir te trouver ça chez moi. Et tu me donnes quoi? Ah, des mangues, ouais, il n'y a pas vraiment. C'est pas vraiment incroyable, mais au moins j'ai. J'ai de la un peu d'argent. Ça, c'est déjà pas mal. Toi. 40. Ok. On va aller de ce côté. Et là, je veux des poulets. Alors. Lesquels qu'ils voulaient. J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je crois que je vais piquer un petit peu tous les poulets. Ça, ça, il me faut cela peut-être. Voilà. On va voir avec cela. Parce que je suis pas trop sûr encore. Il m'en manquera peut-être une. Il me manquera cela. Déjà, vous mangez quoi? Des viandes? Ouais. Le poulet là, je peux le balancer de toute façon. Il me sert à rien. Ok. On est à 32 minutes dans cet épisode là, donc on va s'arrêter là. Donc, comme je vous ai dit, il y aura sûrement pas trop de vidéos cette semaine et le reste. Hein, je pense que ça va me durer. Ça va me prendre quand même pas mal de temps de déménager. De me prendre internet et tout ça, ça va me prendre un certain temps. J'espère que milieu janvier, le 15 janvier, je devrais pouvoir avoir internet et tout ça. Et être vraiment tranquille. Et surtout... ouais, être vraiment tranquille, être bien installé. Et pouvoir reprendre correctement mes vidéos. Donc, petit message. Donc, c'est pareil, n'hésitez surtout pas à faire une petite pause dans la vidéo pour le lire. Voilà. Donc ouais, c'est pour ça que on va c'est pour ça qu'il y aura très peu de vidéos qui sortiront. Alors, ouais, il faut que j'attende. Il faut quand même que je les mette. Je suis obligé de les mettre parce que ils me donnent les plots que j'ai besoin pour aller dans le désert. Donc, je suis obligé de prendre ça. Ils étaient combien? Je crois qu'ils étaient 11. Donc. Ils étaient 11. Ah, j'ai pas un truc de nourriture. Alors attends, auto-alimentaire. Tac. Vous là-bas, il faut que je vous mette absolument au calme. Parce que vous êtes pas au calme. C'est celui-là, ouais. Je cherchais le truc. Boîte à musique. Vous, c'est pareil. Si je peux vous mettre un peu de musique et que vous vous téléportez pas, ça serait cool.
problème, c'est ça, c'est qu'ils peuvent se téléporter. Donc, si d'un coup ils se trouvent. S'ils se téléportent et qu'ils viennent ici, après, ça va être le bordel. Donc, il faut absolument que je trouve. Je sais pas combien de plots comme ça il me faudrait. Donc, on va en prendre. On va en prendre 11 et on verra par la suite. Voilà. Donc comme j'ai dit, on va s'arrêter là. Prochain épisode, je sais pas quand ça sera, mais si j'oublie pas, il faut absolument que je débloque le portail pour aller dans le désert. Ça pourrait être vraiment sympa d'aller dans le désert. Il me faudrait quoi d'autre? Il me faudrait donc les citrons de phase qui pourraient être intéressants aussi d'avoir assez rapidement pour que les slimes quantiques restent calmes et se téléportent pas. Voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer cet épisode. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus.